Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Alors les enfants, souvenez-vous, dans la leçon précédente, nous avons parlé de la sourate la plus importante du Coran. La sourate la plus importante du Coran. Comment elle s'appelle la sourate la plus importante du Coran? On lève la main. Narfa'u al-aydi qabla at-takallum. On lève la main avant de parler, les enfants. Retenez bien cette règle. Oui, Eliane? Très bien, on répète. Sourate al-Fatiha. Alors, lorsque tu vas ouvrir le mushaf, c'est le livre du Coran. Lorsque tu vas ouvrir le mushaf, la première sourate que tu vas trouver, c'est la sourate Al-Fatiha. C'est la sourate Al-Fatiha. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a débuté, il nous a demandé de commencer le Coran. Il a débuté son livre par Sourate Al-Fatiha, par cette sourate. Donc retenez, Al-Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Et en plus d'être la première sourate du Coran, c'est la meilleure sourate de tout le Coran. Qui connaît des autres sourates dans le Coran? Oui, Loujain. Sourate Al-Ikhlas, Qul Huwa Allahu Ahad, très très bien. Suleyman, Wadduha, très bien. Ayyub, Sourate Al-Fil, très bien. Younes, Younous, Sourate Al-Kahf, très très bien. Safiya, j'ai pas entendu, mais sami'tu ki. Très très bien, surat Naba, Amma Yatasa'alun, très bien. Qui connaît d'autres sourates, les enfants? Oui, Tasnim. Alors, il y a une sourate qui s'appelle Mohammed, très très bien. Il y a une sourate qui s'appelle Mohammed, très très bien. Il y a plein d'autres sourates. Qui se souvient, il y a combien de sourates dans le Coran? Qui se souvient? Oui, Djibril. Très très bien, il y a 114 sourates dans le Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a préféré Sourate Al-Fatiha à toutes les autres sourates. Et ça, est-ce que vous savez comment on le sait? On le sait parce que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé un de ses compagnons. Il s'appelait Saïd ibn al-Mu'alla. Mais il était en train de prier. Alors, à la fin, le compagnon, il a dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, mais je t'appelle et tu ne réponds pas, il lui a dit, mais j'étais en prière. J'étais en train de prier. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui enseignait que même s'il était en prière, tu dois lui répondre. Et c'est même avec toi, lorsque tu vas faire des prières en plus, tu es dans ta chambre et tu penses au paradis, tu as envie d'aller au paradis et tu vas dire, ben, comme je sais que si je fais bien la prière, je pourrai aller au paradis, et ben tu vas être dans ta chambre, tu vas faire la prière. C'est une prière en plus, surérogatoire. Mais si ta maman elle t'appelle, est-ce que tu continues ta prière ou tu réponds à ta maman? Très bien, on répond à sa maman dans ce cas-là. D'accord? Je réponds à maman parce que c'est très important de répondre à sa maman et
et à son papa. Alors, ensuite, il lui a dit, il lui a pris sa main. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la main de ce compagnon. Et il lui a dit, je vais t'enseigner, je vais t'apprendre la meilleure sourate, la sourate la plus importante du Coran, avant que tu sors de la mosquée. Alors, lorsqu'ils étaient prêts à sortir de la mosquée, il lui a dit, ô messager d'Allah, c'est qui le messager d'Allah? Oui, Jannah. C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu allais m'apprendre la sourate la plus importante du Coran. Et là, il lui a récité. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Il lui a dit, c'est la sourate la plus importante du Coran. Et cette sourate, c'est une lumière. Une lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate, elle est tellement importante que le musulman, il la récite dans toutes les prières. C'est la seule sourate où on est obligé de la réciter. Nous sommes obligés de la réciter. Il n'y a aucune autre sourate. Vous avez vu toutes les sourates que vous avez dit tout à l'heure. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Toutes les autres sourates, elles ne sont pas, on n'est pas obligé de les réciter dans la prière. Mais la seule sourate où on est obligé de la réciter dans la prière, c'est la Fatiha. Et celui qui va faire, il y a combien de prières dans la journée? Très bien, il y a 5 prières dans la journée. Celui qui prie la prière du Fajar, 2 raka'at. Le Zohor, 4 raka'at. Le Asar, 4 raka'at. Le Maghrib, 3 raka'at. Et le Isha, 4 raka'at. Et bien, il va réciter combien de fois la Fatiha dans sa journée? 17 fois. Répétez, 17 fois. Et si en plus, il prie les prières en plus... Imagine qu'il prie les prières en plus, et bien il va réciter dans la journée combien de fois la Fatiha? Beaucoup de fois. Et dans une semaine, encore plus de fois. Et dans un mois, encore plus de fois. Et dans une année, encore plus de fois. Et dans sa vie, il va réciter beaucoup de fois Surat al-Fatiha. C'est pour cela, les enfants, qu'on doit comprendre cette sourate et on doit apprendre cette sourate. D'accord? Lorsque je suis à la maison, je demande à mes parents, ou lorsque je suis chez mes grands-parents, je demande à mes grands-parents, ou je demande à mon tonton, ma tata, mon khali, ma khalti, mon ammi, ma amti, peu importe qui s'occupe de nous, très bien, ma ourti, mon akhi, ma grande sœur, mon grand frère, etc. Peu importe qui s'occupe de moi à la maison, je lui demande d'écouter Sourate al-Fatiha pour que je puisse l'apprendre. D'accord? Donc ceux qui ne connaissent pas Sourate al-Fatiha, vous allez demander à vos parents ou à ceux qui s'occupent de vous de l'écouter plusieurs fois pour pouvoir l'apprendre. D'accord les enfants? Oui Jenna? Très très bien, écoutez ce que Jenna elle dit. Jenna, elle a des petits frères ou des petites sœurs. J'ai un petit frère et je vais avoir une petite sœur. Inch'Allah, dis Inch'Allah. Comme Jenna, elle connaît la Fatiha, et ben c'est elle qui va l'apprendre à son petit frère et à bientôt sa petite sœur, Inch'Allah. Donc vous aussi, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, vous leur rendez, d'abord vous l'apprenez pour vous et ensuite vous l'apprenez pour eux. D'accord les enfants? Ensuite, les enfants, sachez que Sourate al-Fatiha, elle a plusieurs noms. Alors déjà, on connaît son premier nom, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha.
Mettez votre doigt comme moi. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Deuxièmement, elle s'appelle aussi Ummul Kitab. Ummul Kitab. C'est comme si Ummu, ça veut dire quoi Ummi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Ummi? Hana. Hana, est-ce que tu sais ce que ça veut dire Ummi? Ça veut dire, demande à quelqu'un qui t'aide à te donner la réponse. Elle t'a pas choisi, Safia. Tu laisses Hana choisir. Elle a choisi Eliane. Ça veut dire quoi, Ummi? Ça veut dire maman. Très bien. Ça veut dire quoi, Kitab? Kitab. Regardez, Hada Kitab. Oui, Qasim. Un Kitab, c'est pas forcément un Coran. Très bien, le Coran, on l'appelle aussi le Kitab. Mais dans la langue arabe, un Kitab, oui, Naya. C'est Hada. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Un livre. D'accord, les enfants? Donc, ça veut dire quoi? Ummul Kitab, c'est la maman, la mère du livre. Pourquoi? Parce que la Fatiha, c'est la sourate où tout ce qu'il y a dans le Coran s'est réuni, s'est rassemblé dans la Fatiha. Donc, on a appris deux noms. Mettez votre doigt comme moi. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Ummul Kitab. Ummul Kitab. Et on apprend un troisième nom. Pour aujourd'hui, on va en apprendre trois. Il y en a bien plus que cela, mais nous, on en apprend trois. Le troisième, elle s'appelle As-Sab'u. As-Sab'u. Al-Mathani. Al-Mathani. Sab'u al-Mathani. Ça veut dire quoi, sab'a? Oui, oui, et Djibril? Six. Là, sitta, c'est six. Sab'a, Asya, c'est sept. Mathani, c'est-à-dire on les répète tout le temps. D'accord? Pourquoi elle s'appelle les sept répétés? Les sept qu'on répète. Il y a combien de versets dans la Fatiha? Il y en a sept. Un verset, c'est comme une ligne ou une phrase quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est un verset. Ar-Rahman Ar-Rahim. Deux versets, etc. D'accord, les enfants? Donc, on retient, on répète les trois noms. Premièrement, Al-Fatiha. Al-Fatiha. Deuxièmement, Ummul Kitab. Troisièmement, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Les sept répétés. D'accord, les enfants, retenez ces trois noms-là. Il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres noms de Sourate al-Fatiha. Mais on apprend ces trois-là pour le moment. On récite ensemble la Fatiha et on termine cette leçon pour aujourd'hui. D'accord? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا اهدنا صراط ال مستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا ضالين. آمين.